Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans la troisième séance de ce cycle de conférences. On a le plaisir aujourd'hui d'entendre un tandem qui va parler. Alors, il s'agit de Françoise Salvadori et de Laurent-Henri Vignaud, qui ont publié en janvier 2019 un ouvrage au titre presque prémonitoire, Antivax, la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours, aux éditions Vendémiaire. C'est un livre que je vous recommande, qui est une enquête généalogique des principaux arguments qui ont été utilisés par les opposants aux vaccins depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est un ouvrage qui a été récompensé par un prix de l'Académie des sciences en 2020. Il y a une autre raison pour laquelle je suis particulièrement heureux de les accueillir aujourd'hui, c'est que Françoise Salvadori est biologiste, spécialiste de l'immunologie, Laurent-Henri Vignaud est historien des sciences, et c'est ce regard croisé, ce travail en collaboration qui nous intéresse beaucoup pour ce cycle de conférences. Vous voyez que l'histoire est en dialogue avec les autres savoirs, on entend beaucoup les spécialistes médicaux dans les médias aujourd'hui, et on voit qu'eux aussi arrivent à travailler avec des historiens. Donc le titre qui est le leur, du pis de la vache à l'ARN messager, pour ceux qui ont suivi les conférences précédentes, ce titre commence à devenir très compréhensible, une histoire chahutée des vaccins et de leurs opposants. Merci. Bonjour à tous, je remercie Alexandre Wenger pour sa présentation et surtout son invitation. Je remercie également Audrey Hansen et la Maison de l'Histoire pour nous avoir invités à venir vous parler donc de ces arguments anti-vaccins à travers les âges. Et on a choisi deux thématiques puisqu'on parlait à deux. Moi, je vais parler de l'opposition politique, de ce que ça veut dire que les vaccins, quand ça entre dans l'ordre de la cité. Et ma collègue Françoise Salvadori évoquera la question du vaccin vu comme un poison, comme quelque chose qui vient changer fondamentalement, pervertir et corrompre la nature du corps. Alors voilà, le vaccin, un médicament politique. Effectivement, le vaccin est un médicament un peu spécial dans le sens où c'est le seul pratiquement le seul qui fait l'objet d'une législation. Je fais cette plaisanterie régulièrement pour faire comprendre ce point en disant que si jamais j'ai mal à la tête, il n'y a pas une loi qui m'oblige à prendre une aspirine ou un efferalgan contre 500 euros d'amende. Donc le vaccin n'est pas le seul médicament politisé, si on peut dire, ou légal, mais il fait partie des principaux, si ce n'est le principal. Et cette obligation, ou ces contraintes, parce que ce n'est pas que l'obligation, mais ces contraintes ont suscité des réactions, fatalement, et aussi des interrogations qui sont des interrogations politiques. La meilleure preuve de ça, si on peut commencer par une petite égo-histoire, un peu sous la forme de la plaisanterie, c'est que le livre que nous avons publié en 2019, avant l'épidémie de Covid, a fait l'objet d'une multiple actualisation, d'un intérêt de la part notamment de la presse, à l'occasion de la loi instaurant en France l'obligation des 11 vaccins de l'enfance, à l'occasion de la mobilisation des Gilets jaunes en France également, puisque un programme qui finalement n'est pas le programme qui a été retenu par les Gilets jaunes en décembre 2018 comprenait l'abolition de la loi de janvier sur les 11 vaccins de l'enfance. Ensuite, des débats sur la question de la résurgence de la rougeole en Europe et en France, avec l'idée que si cette rougeole réémergeait, c'était peut-être à cause de ces mouvements anti-vax, mais en tout cas d'une défiance des Européens à l'égard ou d'un désintérêt des Européens à l'égard du vaccin. Ensuite, il y a eu, ça c'est plus confidentiel, la campagne des européennes, où certains représentants d'Europe Écologie Les Verts ont des positions parfois ambiguës sur la question des vaccins. Et enfin, bien sûr, l'épidémie de Covid. Alors, de ce point de vue-là, on a abouti à cette fameuse carte dont le précédent intervenant, Gaëtan Thomas, vous a bien fait remarquer que là, on est à un moment crucial dans les années 2010, un moment où les autorités commencent à s'inquiéter de la réaction
des populations et on commence à sonder. Et ce que vous a expliqué Gaëtan Thomas de manière très intéressante, c'était qu'en fait, on pose des questions à des gens qui ne se l'étaient pas posées avant, et c'est le fait de poser la question qui est très significatif en soi de la manière dont les autorités médicales voient le problème. C'est-à-dire pour eux, désormais, la présence d'une opinion distante, méfiante, défiante, constitue un problème politique. Et comme c'est un problème politique, il faut pouvoir le mesurer par la statistique. Et c'est l'objet donc de ces enquêtes qui font apparaître la France en rouge foncé à la question qui est posée, qui est celle de savoir si les vaccins sont sûrs. Donc là, c'est aussi un petit rappel par rapport à ce qui a été dit dans la conférence d'Anne-Marie Moulin, juste pour positionner les choses. On va parler, je vais parler essentiellement de variolisation, d'inoculation variolique et de vaccines, qui sont les deux seuls vaccins disponibles au 19e siècle, au 18e et au 19e siècle. Et donc pour le premier, pour aller très vite, le premier, l'inoculation variolique, c'est un transfert de Constantinople à Londres, c'est-à-dire un transfert de l'Orient vers l'Occident, qui plus est dans les bagages d'une femme. Et donc, de ce point de vue-là, l'inoculation variolique pose, entre guillemets, un problème politique, au sens où la question qui va se poser, par exemple, c'est de savoir si ce qui marche sous le ciel de Constantinople, c'est la théorie des climats, fonctionnera aussi bien sous le ciel de Londres. Et quant à l'introduction de la vaccine, donc une maladie bovine, elle pose un autre problème qui est celui du transfert d'une humeur animale à l'homme. Et là, c'est plus une question de morale, d'éthique, de droit, qui est de savoir si les médecins ont le droit de jouer au docteur Frankenstein en prenant des produits animaux et en les introduisant dans le corps humain. Et ça aussi, c'est une question politique, ou en tout cas une question légale à travers la dimension éthique. Il y a toute la question de l'expérimentation in vivo, qui est un débat très riche au XIXe siècle. Une autre manière d'aborder la question politique, c'est de voir quelles sont les populations cibles. Et là, il y a une vraie différence entre l'inoculation et la vaccination. L'inoculation, si on veut, c'est une méthode pour riches. C'est une méthode relativement confidentielle, réservée à un public mondain. Il faut pouvoir payer un vaccinateur qui vient à domicile. Certains sont très connus, comme l'Italien Gatti ou le Suisse Tronchin, qui sont des véritables stars internationales. Donc quand on les fait venir chez soi pour être inoculé par Tronchin, la facture est assez salée. Ou alors, il faut aller dans des hospices ou des cliniques spécialisées. Donc là aussi, le séjour y est très onéreux. Donc ce qui fait que cette pratique est une pratique, entre guillemets, aristocratique, et seules quelques autres catégories, qui sont des catégories, si on peut dire, de sujets inférieurs ou de sous-citoyens, sont susceptibles d'être inoculés, comme les soldats, les esclaves, pour éviter la perte liée aux maladies sur les bateaux. Et puis un exemple unique, en tout cas unique en France, d'inoculation en population générale, qui est tentée par l'intendant de la Franche-Comté, la Corée, pendant quelques années, avec des résultats mitigés. Mais là aussi, on compte les inoculés par centaines ou par milliers, mais on n'atteint pas les chiffres, évidemment, de population totale. En revanche, pour ce qui est de la vaccination, les cibles sont beaucoup plus larges. On retrouve les esclaves, mais on trouve aussi les orphelins, les prisonniers, les soldats, les fonctionnaires, les écoliers, puisqu'il y a des obligations légales pour l'entrée à l'école, notamment au niveau des collèges. Alors, ces mesures, qui sont déjà des mesures... Alors, vous avez compris, du coup, que la vaccination est quelque chose de plus démocratique, au sens où peut toucher plus de monde, et c'est aussi lié à la technique elle-même. Je n'ai pas le temps de m'y appesantir, mais disons que la manière qu'on a de vacciner permet de le faire à une plus grande échelle. Donc, ça va donner l'idée, très rapidement, de la tête des États, d'aboutir à une forme d'obligation, puisque les résultats ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Dès les années 1820-1830, alors qu'on avait promis aux premiers vaccinés, à la fin du XVIIIe siècle, que la variole aurait disparu en 10 ans, eh bien, non seulement elle revient, mais elle revient de manière virulente et de manière épidémique forte. Donc, il y a une épidémie assez violente, une pandémie même de variole assez violente au milieu des années 1820. Donc ceci encourage les États à mettre en place des systèmes de contraintes légales.
Donc, par exemple, ici, on voit les grandes lois adoptées par l'Angleterre en 1853, par l'Allemagne en 1874, des moments clés aussi hein, dans les histoires de ce pays, notamment pour l'Allemagne, c'est l'Allemagne réunifiée sous la férule de Bismarck, l'Italie 1888, la France 1902, France de la Troisième République. Et puis alors la Suisse. Hein, et la Suisse est le seul pays qui a demandé aux citoyens de se prononcer sur la mise en place d'une législation fédérale, et vous voyez donc le résultat, 80%, 79% de non, par la votation du 30 juillet 1882. Alors ensuite, la Suisse a fait évoluer sa législation de telle manière que l'obligation vaccinale soit possible dans le cas où une épidémie se déclenche, mais la loi fédérale qui, comme dans les autres pays, obligeait à se faire vacciner dès l'enfance, n'a jamais pu passer. Ces lois, elles suscitent de l'opposition et on est dans un moment clé, si on veut dire, et particulier de l'antivaccinisme, les années 1870-1920, au cours desquelles on voit des manifestations anti-vaccins, ce qui n'était jamais le cas avant et ce qui a été très rarement le cas après. Donc c'est une période très particulière, avec par exemple une grande révolte de vaccins à Rio en 1904, où vous le voyez ici également, une manifestation à Toronto en 1919. Vous notez d'ailleurs que les anti-vax canadiens anglophones, German-born, font naître l'obligation vaccinale en Allemagne, sans doute en référence à la loi bavaroise de 1807, mais aussi peut-être plus probablement à la loi allemande de 1874, feignant d'oublier que le premier grand pays qui a donné le modèle de l'obligation vaccinale avec des mesures très dures contre les gens qui s'y opposaient, c'est l'Angleterre, avec la loi de 1853, qui a suscité la naissance de ligues anti-vax. Les premières ligues anti-vax sont anglaises, et elles obtiennent d'ailleurs des résultats sur le plan politique, puisque finalement l'Angleterre, en 1906, est obligée de renoncer à sa loi d'obligation, et elle introduit la clause de conscience. C'est une histoire assez intéressante que celle-ci, parce que cette clause de conscience introduite en 1906 par les Anglais va servir de modèle pendant la Première Guerre mondiale à l'objection de conscience militaire. Donc l'objection de conscience vaccinale a été le modèle de l'objection de conscience militaire. Et ça, c'est très intéressant, et on le voit encore s'exercer dans des pays comme les États-Unis, où vous pouvez faire valoir une opposition religieuse, voire philosophique, pour refuser de faire vacciner votre enfant. Cependant, dans de moins en moins d'États, parce que y a des problèmes, évidemment, de santé qui se posent. Alors, les outils de la propagande anti-vax à cette époque sont ceux qu'on utilise dans cette période, évidemment. La caricature, les traités, un des premiers traités ici, c'est le traité de Rollet en 1805, dès les ports de Genève. Les photographies, donc vous avez ce formidable album de Furnival, publié en 1906, qui est entièrement composé de photos de bébés morts dans leur cercueil, avec date de naissance, date de vaccination, date de mort. Et également l'envoi de cartes postales pour essayer de dissuader les parents d'accepter les vaccinations. Dans le même temps, si on peut dire, là je vous ai parlé surtout de la situation anglaise ou dans les pays anglophones, on peut regarder ce qui se passe en France, et là aussi d'un point de vue politique c'est assez intéressant. En France, tout se focalise autour de la personnalité de Pasteur. En Angleterre, c'est Jenner qui est la cible. En France, c'est Pasteur, et bien sûr, à cause de ses découvertes et ses travaux fondamentaux, et notamment l'invention du vaccin contre la rage, qui est un vaccin important. Il ne permet pas une vaccination générale comme le permettait la vaccine, mais il montre que le procédé de vaccination qui jusque-là était unique est reproductible. On peut vacciner non seulement contre la variole, mais aussi contre d'autres maladies. Et très rapidement, ce sera contre le choléra, la peste, la typhoïde, le typhus, etc. Or, donc Pasteur coalise contre lui toute une série de luttes politiques de son époque. Il a contre lui des mouvements féministes, parce que l'hygiénisme, disons cette médecine médicale, pharmaceutique, chimique, elle contrevient à ce qu'on considère jusque-là comme étant un soin maternel. Et le fait que le docteur vienne se mêler de la manière dont la mère apporte des soins à l'enfant est extrêmement mal vécu, et c'est notamment très visible en Angleterre, où les ligues féministes, enfin les ligues anti-vax, sont souvent dirigées par des femmes. Et Pasteur recevait des lettres
de ces ligues anglaises qui l'insultaient, hein, en le présentant comme un monstre, un nouvel Hérode, etc. Bon. Il a contre lui aussi les mouvements animalistes, défenseurs des animaux, parce que cette médecine expérimentale s'appuie sur le modèle animal, et de la même manière que Claude Bernard ou Paul Bert, il fait partie des cibles de ces défenseurs des animaux. Là aussi, les ligues féministes et les ligues animalistes sont construites dans le même temps où se constituent les ligues anti-vax. Il a également contre lui les mouvements ouvriéristes, parce que l'obligation vaccinale s'impose principalement aux pauvres, principalement aux ouvriers. Si vous voulez échapper à la vaccine quand vous êtes riche, il vous suffit de ne pas prendre rendez-vous avec votre médecin. Mais si vous demandez l'assistance, si vous êtes une fille mère et vous devez entrer dans une, ce que les Anglais appellent les workhouses, donc ces maisons de, pour accueillir les femmes avec enfants sans mari, non marié, si vous voulez, même dans certaines usines, on va exiger de vous que vous fassiez la preuve avec la fameuse marque à l'épaule que vous êtes vacciné. Donc les ouvriers voient la vaccination comme un moyen de domination des patrons, de la bourgeoisie, de l'ordre politique conservateur contre leur liberté. C'est une atteinte à leur liberté même de travail. Et enfin, il y a une partie du mouvement hygiéniste qui refuse la révolution pastorienne en arguant du fait que les maladies, c'est tout autre chose qu'une petite bestiole qui rentre dans le corps. C'est comment on se nourrit, c'est comment on respire, c'est comment on s'habille, c'est est-ce qu'on fume, est-ce qu'on boit. Et donc, sous tout cet hygiénisme social qui a apporté énormément de choses au XIXe siècle, puisque c'est comme ça qu'on a amélioré, on a diminué le temps de travail, on a cessé de faire travailler les enfants dans les mines, on a amélioré les conditions de vie, le tout à l'égout, l'eau courante, etc., d'énormes progrès, et pourtant, les maladies étaient toujours là. Et donc, le pastorisme, il vient résoudre ce dernier problème qui est que pour combattre efficacement une maladie, il faut s'attaquer à sa source, si on peut dire, en ciblant directement la bestiole, le micro-organisme. Or, une partie du mouvement hygiéniste refuse cette approche-là, qu'elle considère comme une approche finalement réductionniste. On appelle ça la microbiolatrie, cette obsession du microbe. Pasteur voit des microbes partout, disent ses adversaires. Alors, en ce qui concerne les conditions donc, pour extraire la vaccine de la vache, vous voyez que les mouvements animalistes et protecteurs des animaux, évidemment, ne reposent pas leur critique sur rien. Ces images-là, aujourd'hui, nous soulèvent le cœur, mais à l'époque, elles sont considérées, entre guillemets, comme normales, dans le sens où il vaut mieux faire souffrir quelques veaux plutôt que de perdre des enfants. Et puis, je termine avec quelques figures de cet anti-vaccinisme anti-pasteur. Par exemple, Marie Huot, qui est à la fois défenseuse des animaux et féministe, proche des milieux communards. Elle a épousé un ancien journaliste, enfin un journaliste qui a été radié de l'éducation nationale à cause de sa participation à la Commune, et qui est connue dans le mouvement féministe, actuel même aujourd'hui, pour ses positions néo-malthusiennes. C'est elle qui a inventé l'expression « grève du ventre ». L'espèce humaine est une sorte d'espèce parasite. Moins il y a d'hommes sur Terre, mieux la Terre se porte. Et donc, il faudrait aboutir à une décroissance démographique. Ou un autre personnage, qui est lui belge, Hubert Boens, et qui est donc président de la première Ligue internationale des anti-vaccinateurs, constituée en 1880. C'est elle, cette Ligue, qui réussit à faire échouer le premier projet d'obligation vaccinale français. Et finalement, la loi sera votée bien plus tard, en 1902, après ce premier échec. Et quand vous voyez donc le profil de cet Hubert Boens, vous constatez donc ce profil social, d'hygiénisme social. Boens se décrit comme un rationaliste, il se décrit comme un darwiniste, il se décrit comme un newtonien, il se décrit comme un partisan de la science, mais il ne veut pas entendre parler de science pastorienne, qui pour lui est une fausse science. Et ça, c'est une chose qu'on a vue, on a étudiée dans le livre, tout au long de l'histoire des vaccins. C'est ce positionnement d'un certain nombre de scientifiques contre la science vaccinale. C'est ce qu'on appelle l'alterscience. Françoise va vous en reparler. Donc, de prise de position. Je termine par une petite diapositive humoristique. Voilà ce qu'on trouve sur les réseaux antivax qui ne manquent pas d'imagination. Les antivax ont toujours une énorme imagination graphique. Ça, au moins, on ne peut pas leur enlever. Ils sont même excellents. Et donc voilà une petite image représentant Macron en Robin des Bois vaccinateur, et cette merveilleuse phrase que j'aime beaucoup de Virchow, hein, la médecine est une science sociale, la politique n'est rien de plus que la médecine pratiquée en grand.
la médecine pratiquée en grand. Je vous remercie. Bonjour, je remercie à mon tour nos invitants, d'autant plus que peut-être le public étant surtout historien, le fait d'inviter une biologiste, enfin, je le prends comme une grande satisfaction. Je serai très peu scientifique ici. Enfin, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je serai capable de répondre éventuellement à des questions un peu plus précises si vous en aviez dans ce domaine-là. Parmi tous les arguments employés par les citoyens qui ont eu peur des vaccins depuis le début, comme l'a montré Laurent Henry, il nous semble que la crainte, que cette crainte soit seulement une crainte légitime ou une crainte qui vire au complot, il nous a semblé que le thème de l'empoisonnement était parmi les plus récurrents. Actuellement, il s'agit de produits hautement technologiques. Et le fait justement que ces produits qui nous paraissent peut-être à nous très propres et très contrôlés ne rassurent pas forcément, voire inquiètent. Donc ça, c'est assez paradoxal. Si on regarde ces deux images qui sont distantes d'un siècle et demi, puisque cette vache qui distribue son poison sous forme de vaccine, donc protectrice, est tout à fait... mise en parallèle ici avec une manifestation de rue à Sydney, donc contre le vaccin, qui date de février 2021. Donc notons quand même que le terme virus qui est transporté par la vache, ce virus était à l'époque, donc on est à la fin du 19e siècle ici, le mot pour désigner un poison, une humeur, quelque chose de mauvais, mais aussi c'est à la fois synonyme de vaccin, de virus, un petit peu tout ça à la fois. Les virus, il faut le rappeler, n'ont été découverts que, vraiment, n'ont été vus par les biologistes que dans les années 1930. Ils n'ont été postulés qu'à la fin du 19e siècle. Et ni Jenner, qui a quand même révolutionné l'histoire de la variole, et Pasteur, avec son vaccin contre la rage, ne connaissaient les virus. Donc c'est assez intéressant de le rappeler. Si on se rappelle donc ces deux images distantes de plus d'un siècle, il faut aussi se dire qu'entre ces deux images, il y a eu des étapes qui sont rappelées ici et que je ne vais évidemment pas toutes reprendre une à une, mais on peut se rendre compte que l'histoire se scientise de plus en plus. On va partir d'une pratique très empirique, évidemment, à partir de la vache, qui déjà chez Jenner est devenu scientifique parce qu'on a ses écrits, c'est-à-dire qu'il a testé plusieurs concentrations, plusieurs durées. On peut dire que Jenner déjà, avec sa vache et avec son transfert de pus vaccinal, était un des premiers scientifiques sans doute, mais il n'était pas immunologiste, et Pasteur non plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pasteur n'est pas immunologiste, Pasteur se moque un peu de savoir comment fonctionnent les vaccins, il montre qu'ils fonctionnent. Parmi ces grandes étapes, ben on va trouver en effet la scientisation par ces deux grands personnages, mais aussi après les révolutions qui sont la découverte des virus, le génie génétique beaucoup plus tardivement, qui font que nos vaccins deviennent des vrais produits biotechnologiques. Et puis la dernière étape de cette grande histoire, c'est la révolution des vaccins génétiques, ARN, ADN, comme nous le vivons actuellement. Pour moi, c'est sans doute la quatrième ou la cinquième étape, si on voulait faire des étapes dans cette longue histoire. Et on en reparlera sans doute tout à l'heure. Les Français, comme l'a montré Laurent Henry tout à l'heure, ont été montrés du doigt plusieurs fois comme les plus sceptiques vis-à-vis de la vaccination. Mais si on regarde de près ce qui leur fait peur, c'est surtout ce qu'ils expriment, c'est que l'efficacité, bon, d'accord, on veut bien reconnaître que c'est efficace, que c'est sans doute nécessaire, mais ils ont surtout peur, ils considèrent que les vaccins ne sont pas sûrs. Si on regarde de près les questions qui leur ont été posées, la question à laquelle ils répondent le plus souvent par la négative, c'est est-ce que les vaccins sont sûrs ? Non, les vaccins ne sont pas sûrs, et ils le disent entre 30 et 40%, parfois même plus dans certaines enquêtes.
Donc ça, c'est ce qu'ils disent. Mais si on regarde de près les pages des anti-vaccins, on va se rendre compte que finalement, le vrai vocabulaire de l'empoisonnement, le terme de poison, on le trouve, je l'ai noté sur toutes ces images, et il y en a beaucoup d'autres, mais on ne le trouve pas si souvent que ça. Donc le thème de l'empoisonnement est constant, mais le vocabulaire pour l'en parler n'est pas si radical qu'on pourrait le penser. Ça a été assez bien étudié par une ethnologue qui se dit aussi folkloriste américaine, qui s'appelle Andrea Kita, dans un bouquin qui s'appelle « Les légendes de contamination », passionnant à lire. Remarquons aussi que les poisons n'ont pas le même sens pour tout le monde. Les poisons, pour le grand public, c'est vraiment des poisons, c'est-à-dire une pollution, quelque chose qui va nous modifier, qui va nous chimériser, nous cancériser, etc. On va trouver plutôt des concepts comme ça. Alors que dans le monde scientifique, l'empoisonnement, le poison, a un sens bien particulier, toxicologique. Et donc, on va pouvoir mesurer cette toxicité. Est-ce qu'on va pouvoir parfois la relier à un vaccin? C'est très, très difficile. Il y a très, très peu de cas où on peut vraiment prouver que tel vaccin est à l'origine de tel effet secondaire. Donc, c'est la toxicologie médicale. On va parler d'effets secondaires. Et le suivi, pour éviter au maximum ça s'appelle la pharmacovigilance. C'est ce qu'on appelle aussi la phase 4 de suivi des médicaments, et qui fait dire aussi à certains citoyens actuellement qu'on est toujours des cobayes, parce qu'en effet, tout médicament se poursuit dans sa pharmacovigilance pendant des décennies, alors que la phase 3 a permis justement d'avoir l'autorisation de mise sur le marché et de vendre un produit considéré comme suffisamment sûr, avec plus de bénéfices que de risques. Parmi cette connaissance populaire qui est tout à fait normale dans la population, parce que le vaccin n'est pas si facile que ça à comprendre, c'est assez contre-intuitif finalement, deux confusions sont les plus fréquentes. C'est le fait que les gens pensent qu'on leur injecte la maladie quand on leur injecte le vaccin. Et une enquête française assez récente a montré que 25% des infirmières pensaient qu'on leur injectait la grippe quand on les vaccinait contre la grippe, ce qui est quand même assez étonnant, mais qui est la vérité. Et une autre confusion, c'est la confusion entre la simultanéité de deux événements et leur lien de cause à effet. C'est-à-dire que la sclérose en plaques qui arrive après une vaccination n'est pas forcément liée causalement, évidemment, à cette vaccination. Or, c'est assez difficile de prouver le contraire. Et pour quelqu'un qui en est victime, il peut pas, enfin, on est tout à fait normal de faire le parallèle. Quelque chose que je voudrais souligner aussi ici, dont Laurent Henry a déjà parlé, c'est que cet argument d'empoisonnement vient aussi des sachants, que ce soit des médecins, que ce soit des scientifiques. Depuis le début, il y a eu de ces scientifiques ou de ces médecins qui ont été parmi les premiers accusateurs des vaccins sur ce plan-là. Et en fait, on va trouver là-dedans soit des positionnements qui sont purement, purement liés presque à leur posture dans le système, hein, c'est-à-dire des gens, des médecins qui veulent mettre en avant des théories alternatives. Donc ce terme d'alter-science a été donné par Alexandre Moati dans un livre où il développe ça. Et là, c'est l'exemple, par exemple, de Luc Montagnier, connu pour, évidemment, la découverte du VIH, qui, sur ces dernières années, a quand même été capable de dire haut et fort dans un théâtre parisien que les vaccins rendaient les enfants autistes. A continué aussi de maintenir toute une théorie sur la mémoire de l'eau. Bon, le professeur Joyeux, qui est cancérologue en France, qui a eu un grand rôle en faisant signer une pétition par 2 millions de personnes contre l'obligation vaccinale des enfants. Donc des gens qui sont dans le milieu médical, voire prix Nobel, et qui veulent se positionner de façon complètement hétérodoxe, alternative, pour prouver on ne sait quoi. C'est assez difficile. À différencier complètement de comportements de malversation, de fraude intentionnelle, qu'on pourrait appeler la malscience. Donc là, ce malscience, j'ai repris d'un bouquin aussi très intéressant qui s'appelle « Malscience » de Nicolas Chevassu-Louis, 2016, où là, on pourrait ranger là-dedans l'affaire Wakefield, qui est un médecin gastro-entérologue anglais, qui a réussi à écrire en 1998 un article dans Lancet, que vous connaissez bien puisqu'on en parle beaucoup avec justement ce nouveau virus, pour dire que la vaccination rougeole était à l'origine de l'autisme. Donc une enquête très très faible, que Lancet n'aurait pas dû publier, mais qui est passée par des reviewers, et qu'il a fallu plus de 12 ans pour finalement faire rétracter, et qui malheureusement est à l'origine d'une
d'une campagne, enfin de rumeurs persistantes sur la vaccination et l'autisme. Donc des comportements qui viennent souvent du milieu médical. Alors les accidents, est-ce réel? Oui, c'est une réalité. Les accidents ont été une réalité. On peut dire qu'ils sont devenus extrêmement rares. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, on va surtout trouver des procédés mal maîtrisés, comme dans le cas de l'affaire Cutter, où en fait, en faisant une industrialisation trop rapide de l'extraordinaire découverte du vaccin polio dans les années 50-60, certaines petites entreprises ont failli et donc n'ont pas maîtrisé le procédé d'inactivation. Le virus n'était pas suffisamment inactivé. Il est resté capable de donner la polio à quelques enfants et on a eu des morts. Il y a aussi des problèmes de contamination récurrents dans l'histoire, et puis des effets imprévisibles qui sont un peu les catastrophes de l'actualité, il y en a eu récemment, enfin catastrophe, je ne sais pas comment on peut appeler ça, oui, pour la grippe A, oui, il y a eu quelques centaines de cas de narcolepsie pour exactement une vingtaine de millions de vaccinés, en fait, avec un vaccin qui s'appelait le Pandemrix, qui a heureusement été très très vite arrêté par la pharmacovigilance, justement. Donc tout cela a eu un fort impact, surtout sur l'évolution des législations, mais finalement pas c'est étonnant de voir que finalement ce n'est pas resté dans la mémoire collective. Sur les pages des anti-vaccins, sur les sites, même des militants, on ne retrouve quasiment jamais ces accidents qui sont pourtant des accidents authentiques. C'est très étonnant. La toile de fond de tout ça, je ne sais pas où j'en suis, il me reste... Ça va encore. Donc, une toile de fond qu'on pourrait peut-être tracer derrière toutes ces craintes, c'est peut-être le vieux débat naturel-artificiel. Ce débat, il est depuis les origines, puisqu'on lit par exemple Rousseau qui nous dit « Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme ». C'est assez drôle de voir qu'un journaliste, quelques décennies ensuite, a déformé cette phrase pour remplacer l'auteur des choses par la nature. Donc en fait, on voit un glissement de l'argument théologique à un argument naturaliste. Et c'est vrai qu'au XIXe siècle, c'était l'argument naturaliste qui était sans doute primant. Cet argument-là n'a pas disparu. Pour nous, il ressort... par ce qu'on appelle actuellement les médecines qui dépendent d'une pensée vitaliste ancienne, les médecines dites parallèles ou naturelles ou alternatives, qui en fait toutes, si on les regarde de près, mettent en avant une capacité d'auto-guérison. Finalement, c'est pas pour ces médecines-là, c'est pas le germe qui va être important, ça va être le terrain. Et le terrain, c'est justement cette capacité que nous avons, que nous aurions en nous d'auto-guérison. Si on la regarde de près, elle est un petit peu naïve, parce qu'on voit bien que les virus qui arrivent nouvellement nous frappent et qu'on n'est pas si, on est quand même assez fragile vis-à-vis de ces nouvelles maladies. Donc tous ces médecines qui s'appellent parfois également énergétiques, qui parlent de flux d'énergie qui circulent, etc., des choses qui ne sont pas du tout objectivables scientifiquement actuellement, hein. L'ostéopathie, la naturopathie, la chiropractie, la chiropractie, éventuellement aussi l'homéopathie dans certains cas, veulent mettre en avant notre capacité de notre propre terrain à se guérir soi-même. Et donc vont nier finalement les micro-organismes et donc nier aussi l'efficacité d'un vaccin. L'artificiel, en fait, va faire référence ici aussi bien à qu'est-ce qu'on va appeler l'artificiel. On peut lui donner deux sens, d'où l'illustration que j'ai mise ici. C'est que l'artificiel va faire référence aussi bien à ce qui va suppléer, mais en moins bien, l'immunité naturelle. L'immunité naturelle, c'est la meilleure, c'est celle que confère la vraie infection. D'où l'épisode des Simpsons avec le Pox Party, des choses qui se font aux États-Unis réellement, peut-être aussi un petit peu d'ailleurs chez nous sous des formes moins courantes et plus discrètes. Donc là, l'idée que si on met en contact nos enfants avec des enfants qui ont la varicelle, eh bien, le meilleur moyen de les protéger, c'est de leur donner la varicelle. Bon, voilà. Bon, on oublie que de temps en temps, cette maladie aussi peut être très grave. Mais il aura eu la varicelle, ce sera fait, et ce sera tellement mieux que le vaccin, parce que c'est naturel. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi l'opposition nature-artifice, qui est vraiment bien mise en avance par ces photographies hyper techniques et technologiques des laboratoires modernes. Alors, exemple justement Moderna, la photo qui est ici, c'est-à-dire des univers froids, artificiels, métalliques,
où évidemment, il n'y a plus du tout, on oublie le germe, il ne s'agit que de chimie et d'artifice. Au commencement était la vache, l'a dit mon collègue. Le grand tabou au départ de cet empoisonnement, il ne pouvait venir que de l'animal. Et cette crainte de l'ensauvagement, de la vachisation, de la minotaurisation a été écrite telle quelle, mais on a beaucoup de mal à savoir si vraiment beaucoup pensaient vraiment être transformés en vache. On pense que non. La réalité quand même, c'est que les militants de l'époque, qui étaient très très opposés à Génère, ont utilisé et étaient très contents de voir toutes ces caricatures qui montraient ici des petites cornes qui poussaient sur les vaccinés, d'autres sur l'autre image où on voit cette grosse vache représentée en ces grosses bêtes au milieu. En fait, on lui donne des petits enfants à manger en pleine santé et il en ressort des petits enfants avec des cornes et en très très mauvaise santé parce qu'ils ont subi la vaccination. Donc on a vraiment une forme de péril animal, d'ensauvagement. Difficile de penser aussi qu'à ce moment-là, on est à un moment où le problème de la limite homme-animal se pose, et que ce problème de la limite homme-animal, Darwin en donne une... il lui apporte sa pierre, il apporte des hypothèses, il apporte une théorie, et évidemment cette théorie ne plaît pas à tout le monde. Peut-être que c'est aussi un débat à remettre dans cette perspective-là. Alors cette ménagerie des vaccins, cette crainte d'être contaminé par des humeurs animales, eh bien, on la retrouve en 2017, pas si fréquemment, mais quand même, on l'a retrouvée chez cette personne en France qui s'appelle, Farida Belghoul. Farida Belghoul, qui en fait est une personne enseignante, passée du Parti communiste français à l'extrême droite soralienne, sans doute influencée par des réseaux islamistes français, sans que ce soit très très évident. Très connue aussi pour avoir mené le combat de la théorie du genre à l'école. Je pense que vous avez aussi connu ce moment-là en Suisse, parce que toute éducation, toute tentative d'éducation sexuelle est parfois vue comme une intrusion et comme vouloir imposer la théorie du genre à l'école. Donc, en tout cas, ici, elle dénonce la présence de poulets, d'avortements de poulets, de reins de chiens, de reins de souris, voire de singes verts, et peut-être même du cochon. Donc voilà, elle trouve dans les vaccins. Alors en fait, c'est pas totalement faux dans le sens où ces animaux, à un moment donné, ont été utilisés soit comme modèle, soit parce qu'ils ont donné une protéine, soit parce qu'on a utilisé leurs cellules. Évidemment, tous ces animaux ne sont pas présents dans le vaccin. Mais elle veut faire croire qu'on a affaire à des produits empoisonnés par des animaux. Et le pire, évidemment, ce serait la contamination par des produits d'origine fœtale, puisque certains ont dit des embryons humains dans les vaccins. Complètement faux, évidemment. Il y a l'idée que cette horreur ultime, c'est l'usage des produits fœtaux humains, avec l'idée que derrière, peut-être, on allait faire de l'infanticide pour faire ces vaccins. Bon, c'est complètement faux. Il s'agit de bébés avortés pour des raisons d'avortement thérapeutique ou d'avortement spontané, dont les cellules, quelques-unes, ont été utilisées. Et comme elles se reproduisent très très bien, ce sont toujours les mêmes qu'on utilise depuis des décennies. Donc, évidemment, il n'y a pas d'infanticide derrière tout ça. Mais c'est quelque chose qui est très véhiculé encore par, en particulier, des minorités religieuses intégristes de plusieurs religions, au point que le Vatican a été obligé de faire une mise au point plusieurs fois et de dire qu'il y avait la théorie du moindre mal et que, pour sauver des enfants, il était légitime d'avoir recours à des cellules fœtales. Les vaccins sont parfois vivants, mais finalement la différenciation, la classification entre vaccins vivants, vaccins atténués, vaccins inactivés, vaccins génétiques, qu'on va trouver dans les cours d'immunologie des étudiants en médecine, sont des distinctions savantes. Et pour le commun des mortels, sans doute qu'il craint ce produit vivant, mais il le craint même quand il n'y est pas. C'est-à-dire qu'en fait, la plus grande crainte, c'est que les patients imaginent qu'ils reçoivent la maladie et donc qu'ils reçoivent quelque chose de vivant en eux. Les craintes ne vont pas être différentes. Alors, ils vont aussi trouver parfois, on va trouver sur des réseaux sociaux, d'autres contaminants qui seraient particulièrement dangereux. Alors, un virus SV40 qui a été plusieurs fois mis en avant comme étant cancérigène. Bon, ça a été prouvé X fois que c'était faux. Ce pharmacien dont je vous montre la photo avec un pouce en avant, s'appelle Serge Rader, il est très connu en France comme un anti-vax, pharmacien, biologiste et donc diplômé, et il ose dire que les vaccins, il l'a dit plusieurs fois sur des ondes, on injecte des soupes de purulence.
bon, quelque chose de la purulence exprime bien quand même cet empoisonnement par du vivant. Bon, malheureusement, Serge Rader, paix à son âme, est décédé du Covid cet été. Voilà. Et la dernière chose que j'ai pu voir sur Internet qui paraît totalement hallucinant, c'est la présence de parasites. Bon, si vous êtes un petit peu de la partie, vous reconnaissez des trypanosomes, qui sont des parasites sanguins à l'origine de maladies graves, dont on se demande vraiment comment l'auteur du blog a pu trouver ça dans le vaccin. Donc voilà, on peut tout dire en fait. À côté de ces poisons biologiques, il y a bien sûr des poisons chimiques. On peut se demander s'ils sont pires ou meilleurs. En tout cas, il y a des rumeurs sur les poisons non vivants. Ce qui est drôle, si on les regarde de près, c'est qu'ils sont toujours nationaux, ces poisons. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a peur du mercure. En France, on a peur de l'aluminium. Ensuite, je ne sais pas si vous avez peur d'autre chose. En tout cas, et on va aussi trouver, mais ça se trouve de moins en moins, mais c'est vraiment des perles, des gens qui ne connaissent pas la chimie, et on ne peut pas leur en vouloir, mais qui vont dire que dans le vaccin, il y a du chlorure de sodium, qui est du sel, ou du monoxyde de dihydrogène, qui est de l'eau. En fait, en transformant, en utilisant les molécules les plus simples de toutes les préparations biologiques sous leur nom chimique, ils font peur avec ces termes-là. Alors, avec le Covid, on a l'impression d'avoir vu apparaître des poisons physiques en plus des poisons chimiques. Et ça, c'est nouveau. Les poisons physiques, c'est sous forme d'ondes, c'est-à-dire la 5G, la magnétisation, voilà. C'est complètement invisible, donc c'est très facile de dire que finalement, avec ce vaccin, on serait possédé par des ondes. Et peut-être que l'origine de ces rumeurs, c'est quand même Bill Gates, parce qu'il est connu aussi pour être un grand vaccinateur devant l'éternel, puisqu'il finance à hauteur de milliards les campagnes de vaccination, et que donc son image est liée à la 5G. Et là, je termine avec cette légende de contamination très, très, très tenace, qui font penser que la stérilisation va... que la vaccination va stériliser. Alors celle-ci, cette grande peur réelle, on va la trouver surtout dans les pays post-coloniaux. Bon, Laurent Henry n'a pas eu le temps d'en parler parce que c'est un problème la politique, mais il est assez évident qu'en Inde anglaise et en Algérie française en particulier, les campagnes de vaccination au 19e siècle ont été assez rudes. En tout cas, elles étaient très très mal vécues. Évidemment, ne demandez pas aux gens leur permission, enfin leur consentement. Et le fait qu'elles laissent une marque, c'est la vaccination variolique pour ceux qui l'ont eu, laissé une belle marque sur le bras, c'était vu comme une sorte d'asservissement, la marque de l'asservissement sur le bras. Et aussi l'idée qu'on allait comme ça éliminer ces populations, donc les stériliser. Et cette légende est restée... très tenace, en particulier en Afrique coloniale française. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, elle a été scientisée par une erreur de compréhension d'un article scientifique à la fin des années 90. Des chercheurs américains ont proposé un vaccin un vaccin qui serait un vaccin anti-fertilité, qui utiliserait un composant du vaccin antitétanique, et ça a été lu à l'envers, comme si les vaccins antitétaniques étaient des vaccins stérilisants. Et alors le pire, sans doute, c'est que des revues françaises tout à fait présentes partout, qui s'appelle la revue Nexus, qui est particulièrement complotiste en l'occurrence, relayent ça, encore, en 2010. Et qu'on a retrouvé cette légende de stérilisation avec Covid, alors je ne sais pas en Suisse, mais en tout cas en France, disant que les femmes qui se faisaient vacciner deviendraient stériles. Donc voilà, je n'ai peut-être pas le temps de le dire, mais évidemment, le dernier avatar de cet empoisonnement, c'est l'ADN, c'est l'ARN, avec cette crainte de chimérisme et l'idée que l'ADN et l'ARN étant tellement notre individualité qu'on pourrait nous modifier entièrement en nous vaccinant. Et en France, on a trouvé deux médecins, dont l'un est un sénateur par ailleurs, qui peuvent dire que l'ARN va prendre part dans notre code génétique et donc prendre le contrôle de nos cellules. Donc cette prise de contrôle est pratiquement politique de notre corps qui est devenu aussi finalement le corps politique. Alors un débat pourrait être évidemment l'empoisonnement vaccinal en droit, puisque nous n'avons pas tous, que nous soyons médecins, historiens ou juristes, la même conception de ce terme d'empoisonnement
que ce soit pour les vaccins ou pour autre chose. Voilà, j'en arrête ici puisque le temps est écoulé. Alors, merci infiniment à tous deux pour cette présentation très riche, très claire, qui donne beaucoup de grains à moudre. Alors, peut-être, Laurent Henry, je te laisserai aussi venir ici pour répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, il y a une question sur le chat d'Alexandra qui demande si vous pouvez préciser en fait, les différentes familles d'antivax contemporaines. Vous avez présenté un petit peu... l'hétérogénéité, on va dire, de la mobilisation, notamment au XIXe siècle. Est-ce qu'on peut faire un exercice semblable sur l'actualité? Alors, d'abord, il y a des degrés, hein, et ça, il faudrait en parler longuement, sur d'une simple hésitation, d'une simple défiance à un discours complotiste. Mais il y a aussi une différence en nature, si on peut dire, en fonction du thème qui va obséder plus ou moins telle ou telle catégorie de personnes, en sachant que les thèmes peuvent se recouper ou être complètement distincts. Donc vous allez avoir des gens qui vont surtout se préoccuper de la question politique, de la conservation des droits individuels. Donc je ne veux pas entendre... Moi, il y a des gens qui, se disent, qui sont vaccinés et qui ne veulent pas de l'obligation, par exemple. Donc ils acceptent le vaccin, mais ils ne veulent pas que l'État leur impose le vaccin. Vous avez donc une autre thématique qui est celle du naturalisme. Donc là, c'est toutes les thérapies dites naturelles, c'est ce que Françoise a expliqué, qui est très fréquente aujourd'hui. Donc il est très fréquent que des gens qui se soignent par les médecines, par les plantes, etc., ont souvent des discours critiques à l'égard de ce qu'ils considèrent comme un médicament allopathique typique, chimique, justement avec ce thème de l'empoisonnement, ou en tout cas la perversion du corps naturel. Il y a des arguments religieux, il y a un antivaccinisme religieux, même si aujourd'hui il n'est pas très présent dans nos sociétés contemporaines, mais il existe encore, chez des catholiques, chez des protestants, chez des musulmans, chez des hindouistes. Le quatrième type d'argument, c'est les arguments alter-scientifiques, donc ça c'est des théories de scientifiques qui se positionnent avec des idées sur ce que doit être l'immunologie et qui n'est pas... la thèse officielle, si on peut dire, ou le consensus. Voilà. Donc c'est, dans le livre, on étudie par chapitre ces quatre grands thèmes. Un autre argument, un prolongement de l'argument scientifique, de l'argument politique, est actuellement aussi la contestation de Big Pharma, c'est-à-dire des profits de l'organisation de la vente des médicaments et en particulier des profits. Ça a été mis en avant pour les vaccins ARN, mais finalement assez peu. Ouais. Au début, oui, un petit peu, et assez maintenant, c'est très secondaire. Là, le débat s'est politisé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il y a des gens qui ont dit « bon, bah, il faudrait que les vaccins soient gratuits, qu'ils soient distribués, etc. » Et là, c'est un débat démocratique tout à fait oui, légitime. Oui, le débat sur les brevets qui a été réouvert à cette occasion, le débat sur éventuellement la notion de bien commun qui a été développé par plusieurs partis politiques, donc des débats légitimes complètement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle, enfin une question. Monsieur ? Oui, il y a un monsieur ici. Je vais mettre le micro, comme ça on peut vous entendre aussi sur le broadcast. Merci, je suis Sandro Katachin. Et j'ai une question. En fait, ces mouvements étaient de gauche, quelque part, la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, féministes, ouvrières. Et aujourd'hui, ils sont plutôt de droite. Qu'est-ce qui a changé selon toi? Ça, c'est une question compliquée. Parce qu'effectivement, le positionnement politique des antivax, j'en dis deux mots dans la conclusion du livre pour essayer de voir. On pourrait dire au XVIIIe siècle, par exemple, beaucoup de l'opposition à l'inoculation est une opposition religieuse, donc qu'on pourrait entre guillemets classer à droite si on prend nos catégories d'aujourd'hui, si je puis dire. Mais c'est vrai que, par exemple, en Angleterre, la plupart des Tories sont hostiles au procédé d'inoculation et la plupart des Whigs y sont favorables. Ça pourrait dessiner une position droite-gauche. Et ce qui se passe à la fin du 19e siècle jusqu'au premier 20e siècle, c'est quelque chose d'assez étrange, si on peut dire, en tout cas, de positionnement à gauche sur le fait que la politique vaccinale est censée servir de cache-misère, de succès d'année à une vraie politique sociale.
Et en Allemagne, en Suisse, en France, en Belgique, il y a beaucoup des leaders sociaux-démocrates qui prennent position non seulement contre les lois d'obligation qu'ils considèrent comme liberticides, mais aussi contre la médecine pasteurienne qu'ils considèrent comme une médecine de chimiste, une médecine d'industriel et pas une médecine au plus près du peuple qui axe sur la bonne santé des individus qui doit passer, comme je l'ai dit, par des horaires de travail acceptables, une bonne nutrition, un combat contre l'alcoolisme, le tabagisme, etc. Et c'est là où se positionne ce... Alors pourquoi ça rebascule à droite ensuite ? En fait, ça bascule dès les années 30, en réalité. Et aujourd'hui, c'est un peu mêlé, parce que vous avez aussi un anti-vaccinisme un peu, que nous, on appelle californien, c'est-à-dire un anti-vaccinisme bobo, écologiste, hein, qu'on peut classer plutôt à gauche. Et des arguments anticapitalistes. Et les arguments anticapitalistes. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très vivaces, finalement. Pas très vivaces. Le Parti communiste en France, par exemple, est très rationaliste et donc défend la vaccination, la science, mais en même temps va critiquer forcément le système hypercapitaliste. Oui, il demande la levée des brevets, l'introduction de la notion de bien commun, etc. Ça vient de ce parti. Chez les écologistes, c'est très clivant. Ah oui, chez les écologistes, c'est très clivant. Très, très clivant. Donc, ce qui veut dire que là aussi, à l'intérieur de la gauche, ça... c'est pas toute la gauche. C'est ni de gauche ni de droite, en fait. Oui. Alors, je profite du micro qui circule pour vous en poser une aussi, au sujet d'une des images que vous avez présentées, celle de Farida... Belghoul. Voilà, exactement. Donc, on voyait sur l'image une seringue remplie d'une sorte de liquide vert, fluorescent. Et en fait, j'ai cette seringue avec ce liquide vert, je l'ai vue dans plein de films d'horreur, des films de série Z. J'ai l'impression que ça vient directement de cette inspiration-là. Alors, je me demandais si vous avez une idée sur le rapport à la fiction, la manière dont les gens, alors peut-être les pros, mais les anti-vax aussi, comprennent la situation présente à travers des films catastrophes. Il y a l'exemple du Contagion de Soderbergh, évidemment, qui est un des exemples qu'on a pris pour comprendre ce qui se passe maintenant. Mais là, voilà, ça, c'est vraiment des films catastrophes ou des films d'horreur. Des films de zombies. Moi, j'ai plusieurs étudiants qui m'ont dit qu'il y a plusieurs mangas, y compris des mangas très célèbres, qui jouent sur ce principe, dont le scénario est le gouvernement décide d'une vaccination. Et ce vaccin se transforme en un produit, soit qui permet de contrôler les gens, soit qui les transforme en zombies, soit qui les rend malades. J'ai oublié malheureusement le titre, mais c'est un des mangas qui a le plus de succès dans le monde, qui est fondé sur une vaccination qui dérape. Donc oui, je pense que l'imaginaire hollywoodien, si on peut dire, est complètement pris dans ça. Et le vert... Oui, le fait que ce soit une seringue aussi. Je pense que si un jour on a des vaccins, comme ça se développent les vaccins oraux, on n'aura plus du tout le même imaginaire. On n'aura pas cette notion de piqûre qui forcément véhicule avec elle quelque chose d'agressif et d'intrusion, aussi de secret. Qu'est-ce qu'il y a dans cette seringue ? Enfin, il y a une partie j'ai pas eu le temps d'en parler, mais une partie aussi des doutes actuellement, c'est les traces, les éléments traces. On nous dit ce qu'il y a, mais finalement, les éléments qui sont en trace inférieure à un certain seuil, on ne nous les dit pas, parce que la réglementation n'oblige pas à le dire, etc. Et les mêmes arguments sont utilisés par les anti-OGM, qui actuellement se consacrent sur la trace. Les traces, les éléments traces, OGM, voilà, le combat est un peu passé peut-être, mais dans les OGM, il y a des choses qu'on nous cache, parce que... sont en très faible quantité, et c'est finalement là le plus dangereux. Très bien, merci. Voilà, je vous en prie. Oui, une question que je voulais vous poser, c'est sur la dimension de l'âge chez les personnes anti ou résistantes à l'idée de se faire vacciner. Est-ce qu'on a plutôt des personnes jeunes qui sont anti-vax? Oh, parce qu'en tout cas, les vaccinés, c'est très net, les personnes vaccinées, plus on est vieux, plus on est vacciné, globalement. Alors, oui, ben là, en fait, en tout cas, pour l'épidémie Covid, il y a deux choses. Évidemment, les gens se sont très vite rendu compte que cette maladie était surtout grave quand on vieillissait. Donc, les jeunes, au départ, enfin, il y a un an, en France, ils étaient vraiment très, très anti. Mais pas peut-être par militance, mais seulement parce qu'ils voyaient que pour eux-mêmes, ça n'avait aucun intérêt, que le risque étant peut-être supérieur, ils imaginaient que le risque serait supérieur chez eux à celui de la maladie.
Moi, je vois aussi seulement l'idée que quand on a passé 60 ans, on a pu voir les aspects très, très positifs de la vaccination, la disparition de la poliomyélite, de certaines méningites, l'évolution médicale. Alors que pour un jeune de 30 ans, il n'a pas vécu tout ça. Donc évidemment, il a été vacciné. Il ne se rend pas compte que s'il a été vacciné, c'est parce que depuis des décennies, quand même, maintenant, on vaccine de façon générale, voire obligatoire. Voilà. Oui, et puis quand on dressait un peu le portrait statistique et sociologique des anti-vaccins avant la Covid, on était focalisé en fait sur les débats les plus vifs qui étaient autour des vaccins de l'enfance. Et donc en fait, les catégories que ça dégageait, c'était que si on voulait faire un portrait robot, mais qui est très très réducteur, mais de l'anti-vaccin ou du résistant vaccinal typique dans l'avant-Covid, c'était une femme d'une quarantaine d'années, plutôt de niveau supérieur, au niveau richesse moyenne, éducation post-bac, souvent bac plus 2, bac plus 3, qui en fait cherche à protéger sa famille, dans une espèce de constituer un sanctuaire de la famille dans lequel tout est protecteur et tout ce qui vient de l'extérieur, au contraire, est agression. Et pourquoi ? Et bien parce que en fait, là, la question vaccinale se posait au moment de la vaccination des enfants, des nourrissons. Et ça, évidemment, dans une situation aujourd'hui où on est sur un programme de vaccination générale qui concerne plus les enfants, plus seulement les enfants. Plus du tout les enfants. Et même pas du tout les enfants. Là, on change de catégorie, en fait, de résistance. Alors, il y a quelqu'un sur le chat qui nous signale que le manga s'appelle L'Attaque des Titans. D'accord. Voilà, ben, c'est un des plus. Et voilà, L'Attaque des Titans. Super. Cette fois-ci, je retiendrai. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle hein? Alors, si ce n'est pas le cas, j'en relaye une du chat. Donc, un monsieur qui nous a envoyé plusieurs messages, que j'essaye de synthétiser, qui dit qu'il a l'impression que les antivax sont souvent une minorité extrêmement bruyante, mais qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus silencieux, disons, qui n'ont pas envie, tel que je le comprends, qui n'ont pas envie de se faire vacciner pour des motifs personnels, d'antécédents de maladie ou de peur, simplement, mais qui n'ont pas cette volonté militante. Alors, la question, c'est peut-être, est-ce qu'on ne donne pas trop de place à ceux qui crient le plus fort ? Moi, je reprends ce qu'a dit aussi Françoise à propos de ce qui s'est passé avec cette résurgence de la rougeole. Donc il y a eu des épidémies, enfin il y a eu une épidémie de résurgence à l'échelle européenne, et en France ça s'est manifesté il y a trois ans dans des stations de ski. Voilà. Et donc là ça a été facile de tracer en fait, de reprendre l'origine, de rechercher si on veut ce fameux mythique patient zéro. Et on s'est aperçu que l'épidémie venait par des vingtenaires qui étaient les gens qui travaillaient, des saisonniers qui travaillaient. On les a retrouvés, on les a interrogés. Et là où tout le monde s'attendait, la presse, le gouvernement, à tomber sur des jeunes matrixés complètement, le cerveau ravagé par les théories complotistes vues à longueur de journée sur YouTube, ils sont tombés sur des pauvres gars qui disaient « Mais moi, j'étais même pas au courant que j'étais pas vacciné. En fait, j'ai pas fait mon rappel. Mes parents ont peut-être pas fait ça très sérieusement. » Mais pour vous, pas des militants. Donc, pas du tout des militants. Et en fait, là, vraiment, votre internaute a tout à fait raison. Le militantisme est ultra minoritaire et il est ultra bruyant, et on peut même ajouter que dans sa dimension la plus extrême, qui est la dimension complotiste, ce dont on parle essentiellement dans le livre, c'est-à-dire des gens qui construisent vraiment un discours très anti avec des arguments très complexes, c'est vraiment une minorité à l'intérieur de la minorité. En fait, pour le dire de manière simple, il y a des enquêtes qui ont montré que ceux qui se positionnent contre toute forme de vaccination représentent 1 à 2% de l'opinion. On est très loin des 50% des gens qui s'expriment. Non, le vaccin anti-Covid, j'en veux pas. Et qui aujourd'hui ont fondu comme neige au soleil. On ne peut pas exclure quand même que les lois un peu contraignantes France mobilisent largement et ramènent à eux des gens qui sont seulement qui ont des craintes légitimes, qui sont seulement anti-gouvernement. Et puis c'est exploité ensuite politiquement. Et puis ça rejoint un petit peu, pour certains côtés, les mouvements gilets jaunes en France. Donc oui, c'est un moment un peu particulier qui peut agréger. Et donc, finalement, grossir un mouvement qui, en réalité, est très, très peu représenté. Oui ? Il y a une question. Alors, je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que
Au niveau de la planète, il n'y a aucun gouvernement à l'heure actuelle qui a rendu obligatoire la vaccination contre le Covid. Alors, si c'est vrai ce que j'imagine, comment l'expliquer? Parce que, en fait, il n'y a pas que des démocraties. Il pourrait y avoir des gouvernements autoritaires qui imposent plein d'autres choses. Donc, pourquoi ça ne s'est pas fait? Alors, en fait, les vaccinations en population générale n'ont jamais existé. Ce qu'il y a eu au moment d'épisodes de variole, c'est que, par exemple, tout Toronto ou toute une ville, ou certains quartiers de ville, ou Vannes, en 1955 en France, puisque c'est la dernière épidémie de variole, ont rendu quasi obligatoire, mais les gens étaient déjà allés se vacciner à ce moment-là, parce que quand une épidémie arrive, ils avaient peur, simplement. Là, cette maladie ne fait pas suffisamment peur, donc en effet, il faudrait peut-être en arriver à une obligation, mais je crois que c'est impossible, sauf, comme vous le dites, dans des pays absolument pas démocratiques. Et encore, je pense que les Chinois ont quand même conscience que leur vaccin n'a une efficacité que de 50% à peu près. Et donc je me demande si, je ne sais pas, mais je me demande si finalement rendre obligatoire un vaccin qui marche à 50%, c'est pas contre-productif pour l'image aussi du vaccin. Oui, il faut souligner qu'on est dans une situation quand même presque unique, inédite, de vaccination mondiale d'une part, ça s'est jamais vu. Et d'autre part, mondial de manière synchronique, c'est-à-dire tout le monde en même temps, quelques mois, avec les mêmes vaccins, etc. Tout ça, ça j'ai jamais vu dans l'histoire. Et d'autre part, de vaccination en population générale. Ça non plus, ça s'est jamais vu, sauf de manière ponctuelle, lorsqu'une épidémie ponctuellement dans un endroit se déclenchait. Et donc je pense que pour ce qui est des régimes démocratiques, les législations ne sont pas prêtes, elles ne sont pas compatibles même, je crois. Mais c'est vrai que pour les régimes... C'est le pass vaccinal. Oui, alors voilà, la solution alternative, c'est le pass. Mais pour les régimes autoritaires, effectivement, on pourrait se poser la question, parce qu'ils auraient les moyens de faire une législation nouvelle, ou pas de législation du tout, d'ailleurs, en un claquement de doigts. Ils ne le font pas. Je pense que c'est en raison principalement de ce caractère inédit, de la surprise, en fait, que ça représenterait. Parfois, des moyens qui manquent aussi. On voit, par exemple, ce qui se passe en Russie. Ils ont toutes les peines du monde. Ils n'ont pas les vaccins. Ils n'ont pas les doses, en fait. Ils n'ont pas les doses. Voilà, très bien, on va s'arrêter là, il est 13h15 déjà passé. Je remercie encore une fois nos deux intervenants d'aujourd'hui pour cette belle conférence. Et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, ce sera Laurence Monet, une historienne qui vient de Montréal, qui nous parlera notamment de la rougeole. Merci à vous deux. Merci.